Bon matin, bienvenue sur une nouvelle vidéo, donc jour 2 de ce Vlogmas. Je commence à être un peu genre comme enrouée dans ma voix. C'est sûr que j'allais y passer à mon tour. Alors c'est ça, donc ce matin, j'ai ma femme de ménage qui vient. Maintenant, on fait affaire à une femme de ménage une fois aux deux semaines, qui venait dans le temps qu'on était au condo, qui est super bonne. Puis honnêtement, ça vient vraiment m'aider à comme scrubber la maison au grand grand complet. Je regarde là parce que je dis bye à mon chum puis son cousin, mais il me regarde pas partout. Okay. Alors c'est ça, donc ça fait vraiment c'est d'une grande aide là. Je lave quand même la maison comme mettons genre 3 jours là, un ménage rapido, mais tu sais, pour ce qui est des bains, douches là, vraiment polir à 100% à la maison, ça fait vraiment du bien de l'avoir et juste de pas avoir à y penser. Fait que tantôt on va revenir à une maison propre. Fait que pour cette raison, là, j'ai les deux filles avec moi, parce que Clara était encore fiévreuse cette nuit. C'est ça, fait qu'elle va pas à la garderie encore, mais là, ce matin, elle n'en fait pas. Alors, hopefully, elle va retourner à la garderie demain, revoir ses amis, puis moi, je vais essayer de reprendre le dessus sur ma to-do list de fou. Fait que c'est ça, puis là, on s'en va, pourquoi j'étais dans le tour, on s'en va chez ma mère, parce que justement, je trouve que c'est vraiment pas pratique, ni pour moi, ni pour elle, que je sois dans ses jambes pendant qu'elle fait le ménage, surtout avec deux enfants. Tu sais, si j'étais toute seule, ou juste avec Ellie, c'est différent, mais là, avec les deux filles, comme, oublie ça, là. Alors, c'est ça, je vais amener les filles chez ma mère, puis on va faire quelques petites commissions, parce qu'après ça, en après-midi, j'aimerais vraiment transformer la chambre à Clara en chambre un petit peu plus Noël. Non, ok. Oui, on s'en va chez mamie parce que là, elle a vu son père partir, puis elle comprend pas qu'on part pas. Alors, c'est ça. Donc, encore une fois, merci d'être présent pour cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? Le sapin mamie. Wow! Tim? Mais on veut pas aller dans la piscine, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Clara? Au pied du sapin? Oui. Là? Oui. Là, pas là. Mais là, il est trop tard, maman, il colle, ok? Ok? Le prix du jour en collaboration avec l'Enfantillon est un jeu unisexe de la compagnie Jeco, compagnie que j'ai eu la chance de connaître il y a un peu plus d'1 an et qui continue toujours de m'épater par leur créativité qui laisse place justement à l'imaginaire pour les enfants. Et en plus, je trouve tellement que leurs jouets sont beaux et esthétiques. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go out. Can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. Bon, donc on est de retour chez ma mère. Qu'est-ce que tu fais, Loulou? On a trouvé quelques petites décorations juste pour finaliser ce qu'on voulait. Je vais aider ma mère justement à faire ses bacs à l'extérieur. Puis après ça, on va retourner à la maison pour passer à la chambre à Clara. Et j'ai acheté un petit sapin pour promener comme ça dans la maison là, au gré de mes envies. Ma mère, elle a sorti les trucs, je vais vous les montrer justement. C'est pas évident, là, moi je suis à l'intérieur parce qu'on a Clara qui... On a toute la volonté du monde à faire les décos Noël, mais les enfants, eux autres, ils veulent. C'est pas évident! C'est pas évident! Alors, voilà, donc je vais vous montrer dans le fond qu'est-ce que je voulais dire par les bacs intérieurs, extérieurs, je veux dire. Puis, le contenu qu'on a trouvé, donc tout vient de chez Loka. Il y a des gros flocons comme ça que le monsieur nous a dit que ça t'offrait le dehors. C'est quand même lourd, peut-être juste les attacher pour pas que ça parte au vent. On a des petites lumières LED ici à l'extérieur. Pas LED, mais LED LED. Puis des branches blanches comme ça et du saffinage naturel. Puis ça ici pour justement piquer pour que ça tienne. Donc ça va être super beau, ça va être naturel. C'est ce qu'on veut donner en fait comme look. Ah. Donc on est de retour chez nous, on s'est pris un bon café d'après-midi, puis là, comme j'avais mentionné un peu plus tôt, on va faire la chambre à Clara avec une thématique un peu plus de Noël. Donc c'est la première année que je vais faire ça, comme elle va être plus consciente et encore.
Alors, pour ceux qui se demandent, sa chambre, elle n'a pas changé. Elle a toujours l'air de ça ici. Donc, je me fais souvent poser des questions. Son livre vient de chez Structube. Ça, j'avais trouvé ça sur Amazon. Et puis, cette lumière-là aussi, on me demande souvent. J'avais aussi trouvé sur Amazon. J'avais celle d'IKEA au condo, mais on l'a laissé au condo. Puis, ce petit support à linge-là vient de chez South Shore Furniture. Puis, ben, les poignées aussi, question qu'on me demande souvent. C'est une trouvaille que j'avais faite là, chez HomeSense. Le tapis, c'était chez Brick. C'est pas mal ça. En fait, si jamais vous avez d'autres questions, là, comme le miroir, si c'était Bouclair, je vous répondrai en commentaire. Donc, on va faire ça à l'instant. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas. Donc voilà le résultat de la chambre à Clara. Ça a bien été. Clara, elle a été fine, mais là, naturellement, la fièvre est de retour. Au moins, on sait que c'est une otite. Fait que tant que les antibiotiques ne feront pas effet, ben c'est sûr que son corps est combat. Mais n'empêche que c'est épuisant pour maman. Hein, maman? Comme ma patience est vraiment testée. Mais bon, bref, au moins, c'est excitant ce qu'on fait là, pour les fêtes. Donc, ça met dans un bon mood malgré tout. Là, on a notre autre poupoune qui dort dans son lit. D'ailleurs, on a commencé il y a peut-être 3 jours à la coucher dans sa chambre. Fini le coup de dos qu'on a fait pendant 8 mois. Attends, j'ai un cheveu là-dessus. Bon. Puis, la première nuit, ça a été comme plus difficile. À minuit, au milieu de la nuit, on l'a amenée avec nous dans le lit. Mais la nuit passée, elle a super bien dormi. Elle se réveillait 2 fois comme où il a fallu qu'on aille la voir, puis une fois que j'ai l'allaite. Mais ça s'est quand même relativement bien passé. Puis là, tantôt, je l'ai couchée pour une sieste éveillée, puis elle s'est endormie seule. Fait que c'est la preuve qu'elle est capable de s'endormir seule. Fait que c'est déjà plus encourageant là-dessus. Alors voilà, moi d'ailleurs, je vais terminer la vidéo de cette façon. Encore une fois, merci d'avoir été présent, puis on se revoit demain. Bye!